Bonjour, je m'appelle Zéoula César, j'ai 33 ans, international calédonien de football. J'évolue actuellement au club de l'US Chauvigny et je joue au poste de milieu de terrain offensif. Depuis tout petit, j'ai commencé le football à l'âge de 6-7 ans, et depuis sur l'île de Lifou. Et après, j'ai gravé les échelons petit à petit jusqu'à arrivé ici sur Nouméa, j'ai signé à l'AS Mondor et après de l'AS Mondor à Magenta et de Magenta j'ai pu partir en métropole pour faire des essais et avoir ce premier contrat pro. Sur l'île de Lifou, il y en a énormément qui sont bourrés de talent, notamment dans ma tribu où le foot peut se jouer n'importe où et même à n'importe quelle heure. C'est comme ça qu'on a pu percer. Mais même si on suivait déjà les grands messieurs comme Jacques Zimaco et Marc Agnan. En 2011, après les Jeux du Pacifique, je me suis dit pourquoi pas moi. Et je suis parti et qui tente à rien n'a rien. Si tu ne vas pas tenter ta chance, jamais tu sauras si tu pouvais. Je suis parti et après, c'est parti de là et j'ai pu entamer une carrière professionnelle. On ne sait jamais ce qui peut se passer, soit j'échoue, soit je réussis. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'éloignement avec la famille, les amis, c'est dur. Mais une fois que tu es là-bas, tu te dis que tu es venu pour un objectif. Et pour les faire plaisir, tu es obligé de réussir. Et c'est ce qui m'a donné cette force et pour que je puisse réussir. Geno Abiezer, originaire d'Ouvéa, de la tribu de Banouch, pour mon papa, la maman Ouakatch. J'ai grandi sur Nouméa. Mes parents nous ont inscrit avec mon frère à 6 ans, je pense. Il y a quelques années, c'était encore FC Auteuil. Et voilà, c'est parti de là. C'est parti de là. Je pense que c'était juste pour se défouler quand on était jeune et tout, pour avoir un peu une activité à côté de l'école et tout. Et après, au fil des années, c'est devenu un peu plus sérieux, mais tard quand même. C'est devenu sérieux, je pense, à 16 ans, 17 ans, je pense. On a fait les pôles, tu sais, inter-île et tout, sud, nord et île. Et je pense que c'était Jules, notre coach, Jules Wakanoune. C'est là un peu où je commençais à me prendre au sérieux, t'as vu. Je commençais à me dire, t'as vu, t'es dans le groupe quoi, des meilleurs joueurs de la province sud. C'est-à-dire, tu dis, ah, mais peut-être il y a quelque chose. Et après, étape par étape, tu fais la sélection. Mais j'ai pas vu venir, tu vois, parce que je me souviens, on était à la finale de Coupe Yéoné avec l'étoile de Banouch à Koné. Et on venait de gagner. Et c'est Léon Waitroni qui, parce que je sais qu'il était là, c'est lui qui m'appelle après dans les estrades. Et comme il y avait mes parents, il m'appelle avec mes parents et il nous dit ça, tu vois, directement. Personne n'était prêt à recevoir ça, tu vois. Il nous dit, ah voilà, il y a des tests qui vont être en février, je pense. Et non, même pas en avril, pardon. Et il faudra se préparer. Je pense que je ne me rends pas compte encore. Je ne me rends pas compte que... Parce que c'est vrai que sur 2 ans, ça va vite, t'as vu. Sur les provinces-îles, la sélection, la Coupe du Monde, après on revient. Enfin, j'ai pas tout digéré, tu vois. Enfin voilà, je veux dire qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles, tu vois, qui arrivent pour moi. Ça a été ça. Mais j'ai pas fait attention. J'ai pas capté dans ma tête que... Ah, tu vois, il y a un truc de sérieux et tout. C'était toujours dans le plaisir. Ah, je vais jouer au foot, t'as vu. Je vais profiter, je vais prendre du plaisir. C'était cet état d'esprit. C'est vrai qu'au début, c'était dur, avec le froid. S'entraîner pendant la période d'hiver, c'est difficile. Mais il faut s'adapter. Mais au début, c'est vrai que c'était dur. Il y a des moments où tu te dis, c'est pas possible, c'est pas pour toi.
Mais au fur et à mesure, plus tu t'entraînes et plus tu t'adaptes et ça y va tout seul. Mais c'est vrai que quand tu arrives en métropole, c'est vraiment dur, surtout la période où il fait vraiment froid. Quand on pense déjà d'où l'on vient, c'est quand on est parti, c'est pour un objectif. Et ouais, c'est pendant ces petites périodes-là où tu penses à tes proches qui t'ont parlé, qui t'ont donné de la force, tu te dis que tu ne dois pas lâcher. Et c'est ça qui m'a donné la force de continuer, même s'il y a le froid, même si... Mais c'est ça, c'est la force des paroles des anciens, des grands frères, des parents qui m'ont poussé à aller continuer. C'était compliqué et tout, parce que forcément quand tu arrives, tu veux jouer directement, t'as vu, tu... Ici, que tu as quand même un bon rendement, t'as vu, tu joues tous les week-ends. Tu t'attends aussi à jouer là-bas. Mais c'était pas du tout ça, tu vois. Tu rentres dans une période de la vraie concurrence, t'as vu. Tout ça, tu vois, il y a beaucoup de choses à... Je pense que c'est plus l'extra-sportif, t'as vu, en dehors du terrain et tout. Pour nous, t'as vu, ce qui était le plus dur à gérer. Parce que c'est l'éloignement, comme César il a dit, tu vois. C'est l'éloignement, la famille sont loin. On est sorti de notre zone de confort. Les premiers mois, ça se passe bien, la prépa. Ça se passe vraiment bien, t'as vu, avec l'équipe et tout, je commence à bien m'entendre. Après, quand tu commences à arriver dans la compétition où la période de préparation elle est passée, et tu commences à voir que ben, t'as vu, t'es pas forcément dans les choix et tout, tu vois. Et même, enfin, je pense que c'est plus par rapport à l'extrasportif. T'as vu, par rapport à la famille, ce truc de le cocon et tout qu'on a quitté, tu vois. Sur le terrain, après, t'as vu, je me retrouvais pas au début. J'arrivais pas à retransmettre, t'as vu, les mêmes performances et tout. C'est ça, c'est ce qu'a dit Abby, l'extra-sportif. Ça veut dire que tu t'adaptes à tout, c'est le sommeil, l'hygiène de vie, dormir tôt, boire de l'eau. Et c'est ça qui fait que la différence entre ici et là-bas, c'est le haut niveau, c'est ça. Il faut être vigilant à ce que tu fais en dehors et sur le terrain. Et c'est quand tu arrives à l'entraînement, tu es concentré à 2000%. Il faut que tu réponds aux attentes du coach. Tu dois rester concentré tout le long des entraînements. Et je pense que ici, ça arrive petit à petit. Et je pense que d'ici quelques années, on sera amené à avec les jeunes, à aller plus loin avec les sélections. Comme a dit Abby, il y a la concurrence. Quand tu arrives, il y a des joueurs qui arrivent de n'importe quel pays. Ils sont forcément meilleurs que toi, mais tu dois t'imposer. Et c'est ça qui te donne à te pousser à tes limites. Et moi, je pense que quand je suis arrivé, je ne me suis pas posé des questions. Je suis parti, j'ai joué mon football. Et après, tout est parti normalement et ça s'est enclenché. Je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller au plus haut niveau, c'est de pousser au plus haut des limites que tu as à travers toi-même. Quand même, étonné, tout l'intensité. Tout le monde à chaque poste, ils sont très forts, tu vois. Tu te dis, ah ouais, non, là, c'est vraiment... Il faut être bon tous les jours, tu vois. Il faut être très bon tous les jours. C'est dû au changement de coach. Après, soit il te fait confiance, soit il ne te fait pas confiance. Et le jour où on a changé de coach, il est tout de suite venu me voir. Il m'a dit, continue à travailler. Tôt ou tard, tu auras ta place et tu ne sortiras plus de l'effectif. C'est vrai qu'en 2014-2015, c'est l'année où j'ai plus joué, où je crois que j'ai fait une saison pleine. Et franchement, je pensais pas arriver à ce point-là, mais c'était vraiment ma belle année où j'ai joué à temps plein. Il faut toujours se remettre en question, surtout ne jamais rien lâcher. Il faut toujours bosser, continuer à travailler. Et c'est ce qui me manque à chaque fois, des fois, de se remettre en question. Des fois, je me relâche. Et avec ce coach-là, quand il y a eu ce changement, il me parlait beaucoup, continuer à travailler et c'est ça qui m'a donné confiance en moi et après la suite on la connaît. Ouais, j'arrive U19, première année U19 nationaux, enfin je joue, première partie de saison je fais des entrées et tout, deuxième partie de saison je commence un peu à enchaîner
La deuxième année, je vais avec la réserve. Avec la réserve, je joue 0 minute de toute l'année. Je fais que les matchs de prépa, les matchs amicaux. Voilà, comme il a dit, tu vois, des fois, c'est une histoire de coach. Enfin, je pense qu'il y a aussi moi, tu vois. Il y a aussi mon cas à moi, mais c'est un tout, t'as vu. En tout cas, le coach, j'avais pas la confiance du coach, donc je joue pas. Et au final, il a fallu repasser par la case amateur. Tu vois, repasser en. C'était dans le même championnat, National 3, mais il a fallu repasser en amateur. Et j'arrive là-bas avec un coach qui me fait confiance totalement, qui me laisse m'exprimer comme j'ai envie, tu vois. Et tu joues plus aussi peut-être Ouais, je joue plus. Je joue plus à la mienne assez. Moi, je pense que la confiance est importante, tu vois. Quand tu te sens confiant, aimé et tout, par les gens qui sont autour de toi, tu montres un autre football, tu vois. Après, je fais une belle année. Covid, la saison elle s'arrête. Entre-temps, je rencontre un agent. Je rencontre un agent dans une église à Amiens. Parce que le dimanche, j'allais à l'église et je le rencontre là-bas. Je viens. En fait, ils ont une habitude là-bas dans l'église, c'est de quand tu vois des nouveaux, tu vas direct vers eux pour parler. Et moi, c'est la manière dont j'ai été reçu et tout. Et ça m'a, tu vois, ça m'a bouleversé un peu, ça m'a touché. De venir, et les gens, ils sont proches et tout. Et du coup, quand je l'ai vu, je suis allé vers lui, je commençais à parler. Après, il m'a dit, tu fais quoi dans la vie? Il a dit, je joue là, la mienne, c'est, mais moi, je suis agent et tout. Et du coup, voilà, c'est parti de là. Belle rencontre. Il me rappelle 3 mois après. Il me dit, il y a des essais à Grenoble, t'as rien à perdre. Il y a une passerelle avec l'équipe première, si t'es bon, si tu fais tes matchs. Et du coup, voilà, ça se passe bien. Puis, c'est allé vite sur 6 mois. C'est allé très vite. J'ai pas vu le temps passer, tu vois. Parce que j'arrive, le coach qui m'a récupéré pour l'équipe 2, il est promu adjoint avant que j'arrive de l'équipe 1. Premier entraînement avec la réserve, je suis déjà là-haut. Donc, tu vois, ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Je pense que cette rencontre, tu vois, ça a été. Enfin, il y a des rencontres comme ça, tu vois, qui changent le cours d'une vie. Je pense avec cet agent-là, ça a changé. L'histoire de ma jeune carrière. Donc c'est le marqueur qui restera toujours gravé en moi, c'était mon premier but en Ligue 2. C'était ma première titularisation, c'était contre Niort et c'était mon premier but. C'était une contre-attaque, touche pour nous dans notre but, dans notre camp, une touche longue et déviation. Et moi j'ai joué à l'époque excentré droit. Et je pars en profondeur, le milieu terrain la met, le défenseur il sort sur moi, je fais un crochet du pied droit et je frappe pied gauche. Et après j'étais content parce qu'il y avait du monde aussi qui était venu me regarder pour mon premier match de titulaire. Et le but je l'ai fêté avec eux. La célébration, je suis parti vers eux et c'était un moment inoubliable. La première fois que tu rentres, t'as vu. Mais je pense que tu te rends pas compte que tu rentres, tu vois. Après, 2, 3, 4 jours après, tu vois. J'ai digéré un peu le. Ah ouais, non, c'est vrai que je suis en pro, tu vois, j'ai joué quoi. Et franchement, ouais, c'était spécial. Après, je dirais aussi peut-être première passe décisive. Tu vois, tu fais une passe décisive, il marque, on gagne. Là, je me dis, ah ouais, j'ai participé, tu vois, à la victoire et tout. T'es dedans, ça y est. Ouais, c'est spécial, franchement. C'est plus un stade qui m'a impressionné, le stade de Lille, où en Coupe de la Ligue, on est parti jouer là-bas, où à l'époque, il y avait. Des joueurs connus comme Djibril Sidibé, Sofiane Boufal et même leur gardien de but Enyama. Ouais, c'était à l'époque où Lille il tournait bien. Et on avait perdu 1-0, on avait fait quand même un bon match, même si on avait perdu 1-0 contre une équipe de Ligue 1. C'est pas comme en Ligue 2, c'est pas intensif où ça jouait agressif. C'est plus où les circulations de balles c'était fluide. Et ça allait vite, ouais. Ça allait vite, t'avais l'impression que les joueurs ils couraient pas, mais le ballon il circulait. C'est Axel Ngondo. C'est un offensif comme César. Offensif comme César numéro 10. Franchement, t'as vu, balle au pied, c'est propre, t'as vu. Et franchement, il a été champion du monde, t'as vu, avec les Pogba et tout, en U19. Ouais. Donc, même s'il a. Ouais, je pense qu'il est dans la même âge un peu, je sais pas, mais un peu plus petit. Mais tu sens qu'il y a du ballon, t'as vu, c'est pur ballon quoi. Le ballon, il allait vite, tu vois. Puis c'était contre Auxerre. Auxerre, cette année-là, c'est l'année où ils montent. C'est-à-dire, moi, je fais mes premières minutes, on perd, et nous, on court derrière la balle, tu vois. Ça va vite, hein. Ça va vite, Enfin, 1 mètre, c'est grand, 1 mètre. Tu te dis, ah ouais, je dois fermer 1 mètre, je dois avancer, je dois reculer. Ouais, j'étais fatigué, hein. J'étais mort. Tu sais, j'arrive même pas à trouver le deuxième souffle.
des joueurs qui ont évolué aussi un peu au-dessus. Et après, j'ai réussi à m'adapter parce qu'ils étaient toujours là à me parler, à me placer. Et avec leur expérience, après, moi, j'ai su m'adapter et me fondre dans la masse. Et c'est plutôt bénéfique. Et après, pour l'équipe, et c'est comme ça que j'ai pu garder ma place, à toujours rester à l'écoute des anciens et surtout des joueurs qui ont évolué plus haut et qui ont eu de l'expérience. Ouais, c'est vrai. Il y a des joueurs qui ont quand même joué en Ligue 1 aussi, tu vois, des autres qui ont plus de 300 matchs en Ligue 2. Là, forcément, t'écoutes, tu vois, ils ont l'expérience. Donc ouais, c'est ça, prendre au maximum, tu vois, être une éponge, de ramasser tout ce qu'il y a à apprendre et puis voilà, d'avancer avec. Il y a un joueur avec qui je joue, c'était Manu Pérez, tout le temps bien placé, tu sais, je sais pas comment, une touche, deux touches, mais tout le temps dans les bons coups. Et je pense que c'est là où j'ai grandi, tu vois, je vais dire, tactiquement. Parce qu'il me disait, place-toi bien, t'as vu, tes épaules et tout. Et c'est vrai que c'était un peu jeu fougueux, tu vois, de la jeunesse, t'as vu, tu prends le ballon, tu veux que je joue, mais après, tu commences à comprendre que, ah ouais, non. Je me place un peu mieux, t'as vu, j'aurais moins de mètres à faire, à courir ou pour défendre et tout, même pour attaquer, tu vois. C'est vrai que quand je suis arrivé à Laval, je ne jouais forcément pas à mon poste, parce que j'ai découvert un poste où ils sont très droits et ils sont très gauches, où il fallait courir davantage et aller provoquer. Mais à cette époque-là, quand j'ai découvert ce poste, j'ai travaillé énormément pour pouvoir y rester. Et c'est grâce à ça aussi que... Voilà, maintenant, quand on te demande de jouer à un poste, tu peux jouer à n'importe quel poste. Il n'y a pas un bon footballeur qui peut jouer n'importe où. Ça prend du plaisir, franchement. Parce qu'il y a un des trucs où, quand tu rentres dans le monde pro, on te demande la performance, on te demande tout le temps performant. Et des fois, tu oublies cette notion de plaisir, t'as vu. Quand tu étais gamin, tu voulais juste jouer. Et d'essayer de garder ça, c'est vrai que c'est dur. Et de garder ça, tu vois, sur le long terme, t'as vu, de toujours avoir cette notion de plaisir. Déjà, de croire en eux. Si jamais ils ont l'opportunité d'aller en métropole pour faire des essais, ne pas hésiter, d'y aller sans arrière-pensée et d'aller tenter. Et d'aller tenter et ne pas regretter plus tard.